d'autres aussi dans l'émission d'aujourd'hui, interprété par Étienne Drapeau. C'est sur l'album Chanson de Noël qui est pour la Fondation Jasmin Roy. Alors, ça vaut la peine de l'acheter parce que les profits vont pour la Fondation de Jasmin Roy. Et sur cet album-là, c'était tous des chanteurs et des chanteuses qu'on aime, entre autres Rock Voisine, Wilfred Leboutillier, Étienne Drapeau, Annie Blanchard qui sera avec nous tantôt, Linda Thalie, Marc Dupré, Marie-Mé, Annie Villeneuve, Julie Bélanger, Boum Desjardins, Jasmin Roy et Amélie Grenier. On écoute, c'est une composition d'Étienne, Noël amoureux. Il a neigé sur nos cœurs il y a si longtemps. Depuis tout a changé, mais rien n'est différent. Je ne demande rien pour Noël depuis si longtemps. Ton amour sera toujours le plus beau des présents. Il fait bon se rappeler ce Noël amoureux où brillaient par milliers les étoiles dans tes yeux. La neige déposait son éternel aveu, l'éclat de sa beauté sur ton sourire radieux. J'ai vu le ciel descendre et le temps s'arrêter. Toi si belle que décembre ressemblait à l'été. Il a neigé sur nos cœurs il y a si longtemps. Depuis tout a changé, mais rien n'est différent. Je ne demande rien pour Noël depuis si longtemps. Ton amour sera toujours le plus beau des présents. Il fait bon se rappeler ce Noël amoureux, nos familles rassemblées à la chaleur du feu, et de ma voix qui tremble, un genou déposé. Ce que j'ai pu te surprendre quand je t'ai proposé que ce 24 décembre dure une éternité. Que ma plus belle offrande soit ma vie à t'aimer. Il a neigé sur nos cœurs il y a si longtemps. Depuis tout a changé, mais rien n'est différent. Je ne demande rien pour Noël depuis si longtemps. Ton amour sera toujours le plus beau des présents. Il a neigé sur nos cœurs il y a si longtemps. Depuis tout a changé, mais rien n'est différent. Tout ce que je demande pour Noël, c'est l'instant présent. Pour t'aimer chaque jour jusqu'à la fin des temps. J'aimerais que tu me dises, c'est quoi pour toi le vrai sens de Noël?
T'es tout jeune, en plus. Le vrai sens de Noël, je pense que c'est... pour moi, c'est la famille. J'ai toujours été quelqu'un qui était très proche de ma famille. Puis, malheureusement, des fois, ça nous prend le temps de Noël pour se rapprocher des gens qu'on aime, pour leur dire à quel point on les aime. Et ça devrait être à l'année longue, hein, qu'on devrait dire à ceux qu'on aime, à quel point ils comptent pour nous, à quel point ils sont importants. Et moi, mes plus beaux souvenirs, écoute, j'ai passé 4 Noëls tout seul quand je jouais au hockey. À l'époque, les 4 années que j'ai joué professionnel, ça a été une des grosses raisons pourquoi j'ai arrêté. Parce que c'est inconcevable pour moi de penser que j'allais passer des Noëls sans ma famille, sans les petits bouts de mon frère là, qui grandissent et voir ces gens-là grandir. Mais là, j'ai une nouvelle grand-maman maintenant. Parce que les gens... Oui, tu t'es fait adopter, là, tantôt. Parce que, hors d'onde, j'ai demandé à Sœur Angèle d'être ma grand-maman d'adoption. Je veux qu'elle m'adopte. Elle a dit oui. Vous avez dit oui, Sœur Angèle? Oui, regardez, c'est qu'on a eu l'avant, et tout le long de l'avant, j'entendais un enfant. Voyez-vous qu'il est si grand? Alors, je l'ai adopté. Il a tout fait. Mais en passant, je voulais donner tout ça, remercier Ginette aussi de m'avoir aidé à faire la belle décoration, toujours présente. Oui. Très beau travail. Cher Robert, tu es toujours avec nous à Noël, chaque année. J'aimerais que tu me racontes